Le 21 novembre dernier, Jacques Lafitte a célébré ses 80 ans entouré de ses proches et la fête fut animée. Si sa fille Margot était évidemment de la partie, on a également vu ses jumeaux, Ophélie et Paul, qui ont eu l'air de bien s'amuser. La suite après la publicité, le sport automobile français compte finalement assez peu de grandes figures et si le nom d'Alain Prost arrive forcément tout en haut de la liste, celui de Jacques Lafitte est également très bien placé. L'ancien pilote de Formule 1, passé notamment chez Williams, a réussi une très belle carrière de près de 12 ans, avec notamment 6 victoires. Après sa vie de pilote, il est devenu consultant pour TF1 de 1997 à 2012 lors des Grands Prix de F1 et il reste une voix emblématique de son sport. Une passion qu'il a transmise à sa fille, Margot, qui fut également pilote avant de devenir aujourd'hui une journaliste très populaire sur Canal+. Outre la jolie Margot, qui a été mariée à un célèbre humoriste avec qui elle a eu un enfant, Jacques Lafitte est l'heureux papa de 4 autres enfants. Tout ce beau monde était d'ailleurs réuni il y a quelques jours de cela pour célébrer les 80 ans de l'ancien pilote né à Paris il y a tout juste 80 ans. Sur son compte Instagram, Margot a publié plusieurs photos de ce beau moment et visiblement la bonne humeur était de mise. La tête dans le gâteau. La base. Joyeux 80. Écrit la journaliste en légende d'une photo sur laquelle on peut voir le grand champion avec de la crème sur le visage. Une belle journée pour laquelle les jumeaux du pilote étaient également présents. Sur une photo très marrante partagée par Margot, on peut voir Joséphine et Paul passer leur tête entre deux trous sur une image où on peut voir leur père complètement nu avec simplement un casque pour cacher ses parties intimes. Paul et Joséphine dans des milieux différents des jumeaux qui sont plutôt discrets et c'est assez rare de les voir aux côtés de leur père. Difficile de savoir vraiment ce que fait Pierre dans la vie, mais il semble lui aussi piqué par le virus de l'automobile. De son côté, Joséphine est directrice artistique à son compte et elle se montre très active sur les réseaux sociaux. Je me suis installée à Saint-Lézé en Yvelines, il y a 13 ans, juste après la naissance de mes jumeaux. J'ai 5 enfants. J'adore les grandes familles et les enfants, avait déclaré Jacques Lafitte au sujet de sa progéniture dans un article à l'Écho Républicain. La suite après la publicité.